manomboka eto ndray tsika ny dia ho antsika rehetrarehetra zay klasy secondaire zany hoe sixième mankatrany troisième marehetrarehetra any maka place efa ho atsika ndray ity coury manaraka ity raha ohatra ianao ka sixième ianao a misy coury ny sixième ato na troisième ianao a zany hoe ny zoky mampianatra ny zandry ny zandry any koa efa manomboka maka sy papakely amin'ny zoky rehetrarehetra maka place ary notre émission Classe pour tous. C'est un plaisir pour Yancha et Louva d'être parmi vous. Nous sommes en période de confinement. Pourquoi se confiner? C'est un téléphone, Andrakis. Maintenant, confinement, c'est que nous avons une épidémie de coronavirus. Ça, c'est ça, Louva. Bon, le confinement, c'est un moyen de prévention contre la contamination de cette maladie, évidemment. Il s'agit notamment d'une pandémie de maladie, car c'est une maladie contagieuse qui affecte plusieurs personnes en même temps et qui touche le monde entier. On parle d'épidémie lorsque la maladie est également contagieuse et affecte plusieurs personnes en même temps, mais se répand uniquement dans un pays. Sanoué, rasque tara sandi louva de l'épidémie récente refa au natni fifndra naretna au natni firene na ray faitike zao ni coronavirus dia manera nani soto tursoka atsinoué pandémie. Très bien, très bien. Justement, aujourd'hui, nous allons parler des microbes et l'homme. Et pour ce faire, nous allons travailler ensemble en essayant de répondre à quelques questions. La première question. Savez-vous ce qu'est un microbe? On vous écoute. C'est un énergie, c'est un microbe, c'est un bibi, c'est un maso, sont des êtres vivants. Ils sont invisibles à l'œil nu. Et pour cela, il nous faut se servir d'un microscope pour les observer. Également, ils peuvent être présents partout, sur le corps, dans l'eau, dans l'air, sur les objets et dans tout ce qui nous entoure. Donc voici par exemple, un exemple de microbes observés au microscope. Ramandinke zany tsika ijery karazana mikroba maromaro ao anatin'ny mety hitantsika amin'ny fiainana andavanandro. Dia rehefa ijery mikroba maromaro tsika dia nahita ireto karazana vitsitsiana ireto asehontsika ireto nahita ny jereo tsara inona mahasamihafa azy a. Déjà ni un aran, déjà ouani microba toi bacille lactique hein, miasam ni, faire yaourt, bacille de coq, ni VIH, le coronavirus, levure boulangère, la paramécie. Bacille de Yersin. Le plasmodium. Treponem pâle. Le bacille subtil. C'est. Rezoa, misi, microba, marmarreo. Tinu tsarange.
firy ary zao ireo mikroba hitantsika teo ireo. Combien d'images avons-nous bien observées? Zay mihitsy raha nanisa zao nareo a dia folo. Miisa folo a ilay mikroba nijerentsika teo. Raha raisina amin'izay anaran'izay ary ireo mikroba folo ireo, inona ary ny asany? Alaintsika amin'ny anarany fotsiny dia hitantsika eto hoe inavy a ny karazana asan'ny mikroba. Très bien, vous avez bien pu observer. C'est une bonne observation. Nous avons 10 images qui illustrent 10 microbes. Maintenant, classez ces microbes selon leur rôle. Pour nous guider, nous allons se servir de leur nom. Par exemple, le coronavirus, qui c'est un virus qui provoque quelle maladie à vous? Le COVID-19. Raha laisintsika amin'ny anarana izany zao ireo a, dia misy karazany maromaro a ny mikroba. Araka ny fahafantarantsika izao a, dia hoe ny mikroba tsy manao afa tsy ny miteraka aretina. Dia raha jerena amin'ireo anarana ireo nefa na dia misy asany maromaro izy. Ny betsaka indrindra izany izao a dia ny mikroba mitondra aretina. Bon, pour cela, nous allons entrer en détail sur les rôles des microbes. Selon leur rôle, il y a tout d'abord les microbes pathogènes. Dans l'exemple que nous avons pris sur le virus coronavirus qui provoque le COVID-19. Et parmi les exemples de microbes que nous avons pris dans notre étude, quelles en sont donc les différentes maladies provoquées par chacun de ces microbes? Le treponème pâle qui provoque le syphilis. Le PK, Enterokokokany, tuberculose. Le coronavirus. Le COVID-19. Ni plasmodium, izay miteraka ny tazomoka na paludisme. Le VIH, le sida. Bacille de Yersin, izay miteraka ny peste, izay mbola betsaka eto Madagasikara. Ireo izany izao no karazana aretina ateraky ny mikroba. Tamin'ny firy monika izy ny mikroba antsika teo? Folo, nefa firy zao ireo? Enina. Nankaiza ary ny anankefatra? Raisintsika izany izao, jerentsika manaraka indray a, mbola misy mikroba izay raha jerena amin'ny anarany azo ampiasaina amin'ny karazana sakafo, miasa amin'ny fiainana andavanandro a ireo mikroba ireo, toy ny levure boulangère, singa anankiray a entina hampitombo ny mofo any an-trano. Eo ihany koa ny basile de yaourt, fanamboarana yaourt. Dia mbola misy hafa ihany koa fa tsy ao anatin'ny exemple antsika fa teneniny eto ihany izy a, ohatra hoe misy koa ny mikroba fanamboarana vaksiny a, misy koa ny mikroba anamboarana fanafody a. Ilaina ihany koa ny mikroba satria efa nitentsika hoe any anaty tany izy a, manampy amin'ny zezika trohan'ny zava-maniry. Bon, sur ce, à part les microbes pathogènes qui provoquent les maladies, il y a, selon également les rôles des microbes, ceux qui sont classés dans les microbes utiles. Nous avons ici le pain et le yaourt, qui sont en général des produits de transformation biologique. Pour faire gonfler son pain, le boulanger a besoin de la
de la levure boulangère. C'est un ingrédient qui est nécessaire pour tous les boulangers. Alors, observé au microscope, on constate que la levure de bière n'est autre qu'un microbe. Deuxième exemple, le yaourt. Nous savons tous que le lait est la matière première pour fabriquer le yaourt. Et pour transformer le lait en yaourt, il faut des microbes pour que ce soit transformé. Et dans une condition, à une température, à une certaine température. Donc voilà le deuxième rôle des microbes. Mais à part ces deux rôles, à vous, quels sont les rôles qu'on a cités? Très bien. À part ces rôles, il y a également d'autres microbes qui sont ni pathogènes ni utiles. On les classe dans les microbes inoffensifs ou indifférents, comme le bacille subtil. Ces ansoa ireu microba fuloa nutansetsika teo. Misy a raftiny izy a nipetsaka microba dia microba miteraka aretina. Misy ihany koa ny microba utile, microba ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro. Ary ny fahatelo farany a ny microba izay sady tsy ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro a no tsy miteraka aretina. Ireo izany izao a ny lesitsika androany raiky izy a makasika ny asan'ny microba dia misaotra betsaka antsika dia amin'ny manaraka indray.